Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi. Vite, 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 on part. Quand il va se réveiller. Non, mais regardez-moi ça, les amis. Vite, dépêche-toi. Faut aller en bas. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, t'entends? Oui. Vite, cache-toi dans le shop, Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Vite, vite, cache-toi. On se met où? Dans la réserve. Oh, mais s'ils nous trouvent là. Oh purée, là on est dans le caca. On reste dans le noir. Okay. T'as entendu comment il a crié? Mais oui. Oh là là. Bon, je disais, salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un prank story comme ça. Purée. Comment on va faire pour s'échapper? Mais je sais pas. Chut. Ils sont où? Oh, il est là. Ils sont passés où, hein? Attends, je vais les avoir. Je les aurai. Oh. Il a vraiment l'air énervé. On pensait pas qu'un prank ça pouvait l'énerver autant comme ça. Surtout que je l'ai prévenu qu'aujourd'hui on allait faire un prank story. Là il a commencé à faire sa sieste. Et toi t'as peint sur son visage. Bon, écoute, j'ai une solution. T'entends? Ouais. Attends. J'espère qu'il est pas là. Pourtant je regardais partout. C'est bon. Hein? Non, vite, cache-toi. C'est bon, il rentre pas. Bon, écoutez, les amis, en plus, j'ai prévu de faire quelque chose, ça va pas être un prank story comme les autres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer une cachette secrète dans notre maison. Parce que là, s'ils nous trouvent, je sais pas ce qu'on va faire, mais il va être... Notre objectif, c'est de faire un maximum de pranks toute la journée. Sauf que, si on lui fait des pranks, il va nous chercher, il va nous poursuivre. Du coup, il faut se cacher, dans la maison. J'ai une idée, je pense que t'es pas prête. On va faire une cachette secrète, comme je t'ai dit. Ouais. Viens, je vais te montrer. Oh, j'en peux plus de leurs bêtises. Esteban, Lily Rose, je vais les trouver. Je vais leur mettre plein de peinture aussi sur la tête. Du rouge, du vert. Esteban, Lily. Ils sont pas là. Esteban, viens ici. Ils doivent se cacher, là. Je suis sûr et certain. Allez, viens, je vais Allez, vite. Par contre, faut pas trop parler, hein. Non, mais je sais pas où il est. Et à mon avis, vu qu'on l'a pranké, il va préparer un autre prank pour nous. J'espère pas. Mais c'est... J'ai eu peur. Moi aussi. C'est peut-être le monstre des tuyaux, là. Ouais. On a entendu un gros bruit dans les tuyaux. Bon, écoutez, les amis. Vous voyez cette pièce-là? Regardez, je vais vous montrer ce que c'est. Bon, à mon avis, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent déjà. Regardez, c'est mon studio d'enregistrement. Là où je fais toutes mes vidéos gaming, etc. Et... on va faire une cachette secrète ici. Viens, je vais t'expliquer. Okay. Attends, sors, t'inquiète pas. En gros, on a un meuble ici et on va mettre une étagère devant la porte. Ouais. Moi, j'en peux plus de bêtise sur bêtise, prank sur prank. Voilà, de toute façon, je vais me venger. Hein. Voilà. Comment je pourrais me venger? Je vais leur faire la même chose. Et puis... quoi encore? T'en as pas marre de faire du bruit? Allez, dépêche-toi. Ah mais je sais que c'est dur, mais... Allez, lève-le. On y est presque. Attends. Bon, normalement, c'est bon. Non, il faut vraiment le mettre devant la porte. Okay. Comme ça, quand il passera devant, il va se douter de rien. Ok. Allez, c'est bon. Allez. Ah mais comme ça, c'est pas mal. Ouais, non mais c'est bon. Attends, par contre, comment on fait pour rentrer maintenant? Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Bon, on va le pousser un peu. Okay. On va préparer tout ce dont on a besoin pour 24 heures, ok? Ouais. Et ensuite, on s'enferme dedans et on ressort que pour les pranks, ok? Ok, allez. Allez, c'est parti. Allez. Bon, il faut préparer des trucs. Ouais, là, il nous cherche encore. On l'entend crier dans toute la maison. Il est au sous-sol, là, il nous cherche et tout. J'espère qu'il va pas découvrir notre cachette secrète pour ce 24h prank story. Bon, je sais pas quoi prendre. Il faut se décider, là, on est à 10 minutes, même pas. Et il faut prendre de quoi survivre pendant 24h. Déjà, un coussin. Ouais. Heureusement, dans le studio où on va rester 24h, il y a déjà plein de choses. Il y a un canapé, il y a des ordinateurs, on peut jouer, surtout de la nourriture. Ouais, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut se reposer, tout ça, il y a plein de choses. Mais il faut prendre aussi de quoi faire des pranks. Oh, vas-y, prends la peinture. Ok. Ouais, comme ça, on peut lui refaire le même prank. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme prank? Je sais pas, moi, je sais pas. On pourrait lui jeter un seau d'eau. Ouais, mais non, vaut mieux pas. Dans la maison, bon, au pire, on réfléchira à tout ça. J'ai une idée.
Mais non, mais attends, on va pas perdre de temps. On va mettre son téléphone dans les toilettes tout à l'heure. On l'a déjà fait. Non, mais t'es fou. On réfléchira dans la cachette secrète parce que si on se fait prendre là, ça va. Ouais, là c'est trop. Allez vite. Bon, écoutez, là on va chercher à manger. Bah, vas-y tout de suite dans le cellier, Allez, au revoir petite chambre. À bientôt peut-être. Hop. C'est bien, Lily. Vous êtes où? Répondez-moi. C'est quoi ça? C'était pas là avant? Bon, tant pis, je verrai ça après. Allez, Esteban! Bon, moi, il faut que je prépare mon prochain prank. De toute façon, je vais les avoir ben, avec ça. Ouais, je vais leur faire peur, ça. Allez, hop, c'est parti. Bon, allez, là, on a vraiment pas le temps parce qu'ils nous cherchent H24, là. On l'entend dans toute la maison. Ça va, il doit être au sous-sol. On prend quoi, des gâteaux? Du papier toilette. On a besoin du papier toilette ou pas? En plus, c'est du ultra doux, trop bien. Non, bon, allez, c'est pas grave. Des pommes? T'aimes bien les mais pommes? Mais non, pas de pommes. On prend quoi? Bon, des gâteaux, c'est bon, j'ai pris des gâteaux, c'est bon. Et ça, des madeleines? Mais c'est bon, on a déjà pris des gâteaux. Où ça? C'est suffisant pour manger? Mais oui, ça va aller. Bon, allez, vas-y. Les amis, go, on va s'enfermer dans la cachette secrète maintenant. Allez, go. Allez. Bon, allez vite, dépêche-toi. Allez, là. Je peux pas me dépêcher, c'est super lourd. Vas-y, bon, passe. Allez, là, c'est bon. Allez. Passe. Allez, moi d'abord. Allez. Bon, les amis, c'est vraiment très étroit. Mais bon, on n'a pas trop le choix pour se cacher. Allez, attends, mais là, je ferme la cachette. C'est trop lourd. Regarde, Lily Rose. C'est bon, on a réussi. Non, mais on va jamais se faire repérer. Ça fait trop bizarre. Je suis sûr qu'il va passer devant. Mais il va rien voir du tout. Regardez, les amis. C'est incroyable. Bon, allez, maintenant, il n'y a plus qu'à fermer la porte. Et en plus de ça, on va la fermer à clé. Bah voilà, hein. Bon, bah là, on est tranquille. Ah, là, je suis bien. Là, je suis bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Prends, t'as vu sur le canapé, il y a un truc bizarre. Hein. Ouais, je sais. C'est quoi ça? J'en sais rien. C'est toi qui l'as ramené? Non. Attends, c'est quoi ça? Mais ça bouge, ça bouge. Ah, c'est quoi? Ça bouge, ce truc. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Non, mais attends, on s'est enfermé avec un monstre. Non, mais c'est quoi ça? Ça tombe, c'est un prank de Peppa Pink. Je sais pas. C'est quoi, fais-t'en sortir? On peut pas sortir. Bah bouge, je me cache. Cache pas, c'est quoi ça? Stop, c'est quoi? Eh oh! Non, mais c'est quoi ça? Bouge de. Ah, mais. Qu'est-ce que tu fais là? Et je dormais, gars! Comment ça, tu dormais? Mais attends, mais tu fais des bruits bizarres quand tu Non, dors. Mais t'es au courant qu'on t'a. Tu fais des bruits bizarres. T'es au courant qu'on t'a enfermé là avec nous? Et je suis somnambule, désolé. Ah ouais? Non, mais regarde, t'es au courant qu'on t'a enfermé avec nous là. Regarde! Il y a un mur maintenant. Je peux plus sortir. Oui, bon, allez. Attends, on se cache parce qu'on fait des pranks à Peppa Pink, on veut pas qu'il nous repère. Ah, vous avez fait des pranks à Peppa Pink. Bah, bah oui. Bon, allez. C'est ça l'écrit. On va allumer la lumière, les amis. Et on va commencer à réfléchir à nos prochains pranks. T'as des idées au moins? Je sais pas, vous prenez un seau d'eau et vous aspergez d'eau. Pourquoi tout le monde a cette idée? Non, mais c'est vraiment des idées nulles en plus. Bon, écoutez, on va faire un vrai plan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais oui, le téléphone. Mais cette fois, on le met pas dans les toilettes. On l'envoie chez le voisin. On le jette chez le voisin. Non, c'est n'importe quoi comme idée. Bah quoi alors? Je sais pas. Déjà, on va se reposer parce que voilà, c'était déjà très fatigant ça. Allez, bonne nuit. Bon les amis, j'ai eu une idée. Lily Rose, elle veut pas trop participer là. Elle a peur que Peppa Pink revienne. Mais oui, mais du coup, j'ai regardé sur internet des idées de prank et en fait ce que je vais faire c'est que on va prendre un rouleau de cellophane, vous voyez, c'est le truc plastique là qu'on peut étirer et on va en mettre tout autour de la voiture de Peppa Pink, ça mais va être trop drôle. Mais non, mais c'est trop bien. Mais non. On fait ça. Bah si c'est la seule idée qu'on a, bah pourquoi pas. Tu veux pas? Et vous êtes totalement fou. Mais si. Ça va le mettre vraiment en colère et on s'en fiche de le mettre en colère, après on a juste à se cacher ici. Ouais. Allez, on fait ça. Bon, on va aller chercher du cellophane dans la cuisine et normalement... Pff, en plus on va galérer à sortir. Non, allez, t'inquiète, vas-y, on y va à deux au pire. Bon d'accord, mais comment on se débarrasse de ce mur? Bah, il suffit de pousser, c'est un meuble. Faut le pousser? Oui. C'est pas lourd. Allez, pousse le mur, attends, je vais t'aider, attends. Je vous ai trouvé. Non, il nous a trouvé. Mais voilà, mais je vous l'avais dit, vous êtes vraiment bêtes. Alors,
alors comme ça, vous voulez entourer ma voiture avec plein de cellophane? Et comment t'as entendu? Ben vous êtes pas discret, hein. Voilà, je vous l'avais dit, on est vraiment pas discret, hein. C'est ça cette porte là, cette fausse porte qui était là. Mais c'est pas une fausse porte, c'est un meuble. Ouais, un meuble là. J'avais je disais, bah tiens. C'est lui qui nous a donné l'idée. C'est toi qui as eu l'idée? Non. Si. Vite, on part. C'est toi qui as eu l'idée. Vite, non mais attends, oui, on reviendra vite. Téliros, dépêche-toi. Bon les amis, vous inquiétez pas, on va continuer le prank story. On va peut-être même faire un 24 heures dans notre pièce secrète. Sauf que là, il faut qu'on parte. Allez, ciao, clique, abonnez-vous, cliquez sur une vidéo qui apparaît. Ciao, vite, part. Ici tous les deux.